Tout d'abord, bonne rentrée à tout le monde. Enfin, techniquement, si vous avez la rentrée. Aujourd'hui, on se retrouve bien évidemment pour les actus du jour. Il s'est passé quelques petits trucs sur Brawl Stars. Bon, le plus gros est passé, on est d'accord, nous avons eu le Brawl Talk. Il y a eu quand même pas mal de vidéos, notamment sur le futur de Brawl Stars, qui était super intéressante. Mais entre temps, il s'est quand même passé quelques petits trucs que nous allons voir dans cette vidéo-là. J'ai eu ma rentrée aussi aujourd'hui. J'espère que déjà vous avez passé une bonne journée. Parce que oui, effectivement, je suis encore en cours aussi. Mais bon, vous avez vu, il y a une vidéo FAQ qui va arriver. N'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs, que ce soit en commentaire, mais plutôt sur le post sur YouTube, donc dans l'onglet communauté directement. Ou enfin l'onglet poche, je crois que ça a changé. Ensuite, bien évidemment, merci beaucoup à tous ceux qui mettent le code Periado, vous êtes encore présents. Il y en a, vous gérez énormément, vous avez pris plein de choses, donc ça régale. N'oubliez surtout pas le Brawl Pass, il faut le prendre à tout prix sur le Supercell Store pour vous. Que vous mettez de l'argent ou non, il y aura toujours des gemmes à récupérer, donc n'oubliez pas, tout ça, ça se réinitialise dans 2 jours et 19h, comme vous pouvez voir. Donc dès qu'il y a une nouvelle saison, prenez vos 10 gemmes directement, je le rappellerai bien évidemment. Mais surtout, si vous avez des choses à prendre, n'oubliez pas ici, notamment il y a Mo, bon là il a 19,99€, mais surtout, ça vous rapporte des points, comme vous pouvez voir 850 points, ce qui vous permettra d'avancer un peu plus ici, d'avoir des récompenses en plus gratuitement. Bref, au moins vous savez tout, tout ça c'est important. Maintenant, passons à Brawl Stars. Vous pouvez voir depuis la dernière fois, bah, il y a eu seulement le méga pic qui est arrivé. C'est la seule chose que l'on sait de Brawl Stars. Pour le moment, ils sont un peu inactifs. En même temps, ils ont bien bossé pour le Brawl Talk. Il y a eu beaucoup de bugs qui ont été corrigés et ça, ça fait plaisir. Vous pouvez voir dans le méga pic, ils nous disent bien évidemment, et surtout j'espère vous l'avez bien fait, je l'avais dit à l'avance, méga cochon est en direct, ne manquez pas d'obtenir un total de 2 récompenses de méga cochon pour l'effort d'un seul. Alors bien évidemment les récompenses sont arrivées. Donc on a eu 40 reprises stars et c'est vrai qu'au niveau des récompenses ça régale plutôt bien. Donc là on a eu 3 skins, quand même pas mal d'or, 2366 or, 751 points de pouvoir, normalement c'est divisé par 2. C'est sûr que quand on débloque Clancy comme ça, de nombreux skins, de nombreux sprays, de tags, etc. Ça régale énormément. J'ai vu quand même quelques comptes qui ont débloqué beaucoup de choses. Là par exemple il y a eu énormément de gadgets, de tags, de skins. Vraiment beaucoup de récompenses, déjà c'est sur 2 lignes, c'est impressionnant. Là c'est vraiment les comptes où j'ai vu il y a le plus de choses. Déjà presque 1000 points de pouvoir, ça veut dire que tu peux quasiment monter un pouvoir 11 comme ça. Mais bon il y en a quelques-uns quand même qui ont eu encore ces fameux bugs là. Donc non, ce n'est pas encore totalement résolu. Donc des récompenses qui sont complètement noires, ou même des bugs que certains ont eu carrément dans la méga pig, donc des bugs un peu complètement illogiques. Là on a eu le bug de fou de ABD, franchement celui-là il est grave drôle. Donc il débloque une légendaire, c'est très bien, il va débloquer un brawler, Mandy, c'est génial. Sauf que lors de la prochaine star drop, attention c'est les mêmes, vous pouvez voir, juste ici il va avoir marqué le nombre de star drop qui va évoluer au fur et à mesure. Il redébloque Mandy, vous pouvez voir il reste 5 star drop, on peut le voir en haut à droite. Il redébloque Mandy encore une fois, et ça va être ça en boucle, donc 4 star drop, il redébloque Mandy. Heureusement les récompenses, bon, il n'a pas eu que ça, mais j'avoue que le bug est pas mal. Bon, quoi qu'il en soit, cette fameuse méga pig, c'était la dernière. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de méga pig tels qu'on les a connus. On ne sait pas ce que l'on aura prochainement. En septembre, du coup, ben, on l'a fait, il n'y aura pas d'autres méga pig quoi que ce soit, il n'y en aura pas en octobre, ou en tout cas, s'il y en a une, c'est avec des changements. Bien évidemment, dès que je serai au courant des prochains changements, je vous le dirai, mais pour le moment, on ne sait rien du tout, juste cet événement-là, il ne sera plus pareil. On ne sait pas ce qui va devenir, mais ça sera plus ça. Ou alors, ça sera ça, mais un peu différemment, peut-être d'autres récompenses, etc. Mais par contre, il faut le dire, ces récompenses-là, pour un mois comme ça, gratuitement, de récompenses, là, ça régale. Et là, c'est des vraies bonnes récompenses. Et ça, ça fait plaisir. On le sait, le prochain Brawl Talk aura lieu donc le 26 octobre et la maintenance, donc la mise à jour, le 29 octobre, donc quelques jours après. Mais concernant cette méga pig, on sait que Franck veut nous faire parvenir les infos en septembre. Donc il y aura certainement un Time to Explain, comme je vous l'ai dit, une vidéo qui dure 2h30, 3h, où je vous traduirai tout et résumerai tout en français, bien évidemment, sinon vous comprendrez pas grand chose. Mais tout ça risque bientôt d'arriver, on l'espère en septembre, et c'est là où on aura des nouvelles de cette fameuse méga pig. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, on tourne la page et on passe au prochain. Là, j'ai vu ceci, ça a rien à voir, mais regardez ça. Si on prend Mandy et Piper, justement, il y a une animation qui coïncide complètement. Regardez la Piper, elle va tout simplement tirer une balle, la balle elle va être esquivée par Mandy, et justement Mandy va riposter en tirant une balle. Bon, on voit pas la balle, etc., mais je savais pas du tout que Mandy et Piper avaient deux animations et qui étaient parfaitement corrélées. Franchement, je trouve ça juste incroyable comme Easter Eggs. Vous en pensez quoi? Les fameuses hypercharges. Là, nous avons tous les brawlers qui ont eu une hypercharge. C'est-à-dire, la moitié des brawlers ont une hypercharge à l'heure actuelle. Et donc, bien évidemment, l'autre moitié n'a pas d'hypercharge. C'est-à-dire, nous avons mis un an à tout compléter en termes d'hypercharge. En même temps, on a sorti d'autres brawlers, etc. Mais ça veut dire que pendant encore un an, il va y avoir encore des hypercharges qui vont sortir. Et c'est-à-dire, dans un an et demi, à peu près, parce que d'autres brawlers vont sortir en même moment, ben, on aura fini toutes les hypercharges sur Brawl Stars. Et donc, il y aura prochainement un autre truc. On ne sait pas du tout. Mais ça veut dire pendant un an, on aura encore un peu ce système de nouvelles hypercharges qui vont être ajoutées au fur et à mesure. Je pense qu'entre temps, il y aura peut-être d'autres ajouts autres que l'hypercharge, etc., qui vont risquer d'arriver sur Brawl Stars, mais on n'en sait pas plus. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir un peu ce tableau pour voir à quel point c'est complété. D'ailleurs, on peut voir que tous les anciens brawlers ont bien une hypercharge maintenant. Quant aux nouveaux, en tout cas un peu plus récents, non, ils n'ont pas l'hypercharge, notamment avec cette Lina, avec tous ces fameuses épiques mythiques qui n'en ont pas. Ici, nous avons une petite animation qui nous montre Kenji, donc un dash de Mortis, la batte de Billy, les deux attaques.
Et là, nous avons l'ulti de Bonnie et ainsi les deux slash de Mortis dans ce sens-là. C'est vrai que ouais, Kenji, c'est la combinaison de plein de brawlers et c'est ça qui fait qu'il est ultra cheaté ce brawler. Niveau nouveauté, c'est un peu plus compliqué parce que vous pouvez voir Franck, on avait tout bien résumé de toutes ces dernières sorties qui étaient hyper intéressantes. Vraiment, la vidéo, le futur de Brawl Stars, je vous conseille vraiment d'aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Malheureusement, il est un peu inactif et j'ai hâte d'avoir quelques nouveautés parce que actuellement sur Brawl Stars, ben, on n'a plus rien, en tout cas depuis quelques jours. Mais attention, on a cette fameuse campagne avec les nouveaux brawlers, en tout cas 6 nouveaux skins qui vont sortir. Cette campagne-là est bientôt terminée puisque vous pouvez voir, il reste encore 6 jours et 16 heures justement pour qu'elle soit clos et pouvoir clore tous ces votes là pour pouvoir voir prochainement les skins qui vont être gagnés, c'est à dire le 23 septembre nous aurons les vrais gagnants. On va quand même faire un petit tour parce qu'il y a de nombreux finalistes qui ont été élus. On rappelle, il y a 6 nouveaux skins mais on n'est pas obligé de tous les faire, donc là nous avons un skin de Karl. Il y a vraiment de tous les designs comme vous pouvez voir, notamment celui-ci qui peut être un peu stylé, faut l'avouer. Celui-là de Grom, franchement il peut être vraiment badass en mode flamme. Là on a un de Buster un peu en mode futuriste, galactique hero Buster, pas si mal que ça franchement faut l'avouer. Ce que j'aime bien c'est surtout au niveau des attaques, l'attaque elle est magnifique je trouve. Là il y en a, ils ont refait, c'est exactement celui de Monsieur M. Pour le coup j'espère vraiment il sera pas élu. Mais par contre, bon c'est pour Chuck, le char est vraiment incroyable je trouve. Bref, on va surtout passer à ceux-là parce que ceux-là il y a un vrai design que j'aime beaucoup. Celui-là de Sam, il est vraiment pas mal avec les petits lions comme on peut voir. Nous avons celui-là, Buster, incroyable aussi, un peu en mode Batman. Le Karl, je veux rien savoir, il est magnifique. Là on a un poisson en mode requin Chuck, il est incroyable aussi, je veux rien savoir. Nous avons ensuite Janet. Janet, il y a tous les skins qui passent de toute façon, peu importe. Et celui-là de Grom en mode méchant qui peut très très bien passer aussi. Hein. Au niveau des petits bugs, ça normalement c'est un bug qui n'est pas censé avoir. Vous voyez l'icône de Mo, celle-ci, elle est achetable directement en magasin au prix de 1500 blinks et 39 gemmes. Normalement cette icône-là, il faut à tout prix avoir la fameuse maîtrise niveau 1 pour la débloquer. Sauf que celle-ci est achetable, oui bien évidemment c'est un bug, s'il y en a qui veulent en profiter, n'hésitez pas. Je pense qu'il sera corrigé prochainement parce que les pins et des maîtrises normalement ne sont pas achetables tout simplement. Parmi les autres bugs, il y a encore celui-là. Celui-là je pense normalement il va être corrigé en septembre. On sait que Brawl Stars cherche des solutions justement sur celui-ci. Il y en a encore beaucoup de personnes. C'est simplement que vous avez des appareils qui ne sont pas assez développés. En tout cas, c'est ce que nous avait dit Brawl Stars. Mais ils ne savent pas vraiment le fond du problème de pourquoi c'est tout en noir comme ça. J'ai vu ce concept qui a fait énormément réagir. C'est un concept de Skerpton. Vous pouvez voir, nous sommes en mode classé. Et tout simplement, nous aurons un temps justement pour pouvoir parler et faire des choix. Vous pouvez voir de dire ban tel brawler. Et en fait, c'est hyper simple. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Surtout ici. Ça, on aurait une zone de défaut. Et on peut dire, par exemple, on peut combiner tel brawler et tel brawler, suffit simplement de cliquer ici et choisir les brawlers que tu veux mettre. Ou alors banner celui-ci comme brawler et on aurait justement un truc pour parler. Donc des réponses automatiques pour aller encore plus vite, donc on perdait pas trop de temps. Mais sinon, on peut parler directement comme ça. Le seul problème, c'est qu'on perdrait énormément de temps et le classé durerait beaucoup plus longtemps que prévu. Là où j'ai trouvé hyper intéressant comme concept, c'est justement ici. Vous pouvez voir, il y a un petit icône qui va passer ici. Et justement, on pourrait choisir bah, qui prend le dernier choix, parce que le dernier choix, c'est un des plus importants pour pouvoir un peu counter toute l'équipe. Donc tout le monde met ses bans, etc. Il faut ban tel brawler, ils sont suggérés en avance. Ce qui serait beaucoup plus simple, et justement, il y aurait un système de discussion pour savoir... Bah, comment faut faire, quel brawler pique, etc. etc. Le seul problème, c'est niveau temps, ça serait beaucoup trop long. Mais il y a vraiment beaucoup d'ajouts dans cette vidéo qui sont super intéressants. Je sais pas ce que vous en pensez, personnellement j'ai adoré. Le seul problème, comme je vous ai dit, c'est niveau temps. Est-ce que vous vous rappelez justement de ces fameux challenges là? Maintenant, dès qu'un brawler sort en accès anticipé, il faut payer malheureusement 20$, bon nous c'est 20€. Mais à l'époque, on avait tout simplement ce genre de challenge là, donc 15 challenges pour remporter Griff, 9 victoires tout simplement pour remporter Grom. Donc c'était des challenges qui étaient plutôt simples. Des fois, c'est vrai qu'ils étaient quand même compliqués et fallait rajouter des victoires, on payait par gemme, mais en soi, c'était plutôt gratuit. Maintenant, il faut tout simplement payer tous les brawlers. C'est vrai que ces concepts-là, et surtout les challenges, ça fait un moment qu'on n'en a pas eu, même pour débloquer des brawlers ou quoi que ce soit, ça fait très longtemps. J'aimerais bien, pas forcément pour débloquer des brawlers, mais qu'ils fassent plus de challenges. Déjà, ça nous rapporte plus de récompenses gratuites pour nous. Et au moins, il y aura quand même un petit enjeu cool. Au niveau des challenges, niveau e-sport, vous savez, il faut faire 15 victoires et on a max 3 défaites. Ça reviendra, mais du coup, l'année prochaine, donc certainement en janvier, février, par là. Donc, c'est-à-dire que cette fin d'année on n'aura plus rien. On aura quand même cependant sur Even Supercell quelques récompenses gratuites, mais ça sera dans 2 mois. Bien évidemment je vous dirai tous les pronostics etc à faire, mais c'est là où on pourra avoir quelques petits trucs. D'ailleurs j'espère que vous avez bien pu récupérer toutes vos récompenses. Je sais qu'il y en a qui avaient encore des bugs la dernière fois. Au niveau des petites actus, on a eu le skin de EMZ Medus, donc c'était le skin qui était dans le Brawl Pass de la saison dernière, qui a tout simplement changé. Avant ça a été ça l'animation, donc ça c'est son attaque de base, et maintenant il ressemble à ça, donc c'est des vrais cailloux. Donc EMZ Medus a un peu changé niveau style, c'est toujours intéressant
intéressant à savoir. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, honnêtement je préférais presque le premier. Bon là c'est vrai que ça fait un peu plus caillou, mais le premier était plutôt stylé niveau design je trouve. N'oubliez surtout pas de finir votre saison de classé, ce qui arrive en tout cas. Montez le maximum parce que bientôt ça va être reset, il reste plus que quelques jours. N'oubliez surtout pas de jouer. Au moins tout ça c'est dit. Je sais pas où vous en êtes, personnellement j'ai fait le master, c'est plutôt cool. Ceux qui ont vu la nouvelle série, je sais pas combien de temps ça va durer, mais très certainement un bon petit moment. Que le but c'est aussi de vous guider, donner plein d'astuces, etc. Je pense que grâce avec cette série, on pourra vous dire plein de choses, notamment par rapport à la classée. Bon, pour le moment, j'ai pas assez de pouvoir neuf, vous vous en doutez bien, mais on fera pas mal de petits trucs. Bien évidemment, cette série elle est en décalage parce que faut que je tourne 7 jours, voire 14 jours à l'avance. Le temps de faire déjà tous les jours pour la vidéo, et ensuite le monter, etc. Où ça prend énormément de temps. Ah oui, surtout, n'oubliez pas d'aller dans les posts directement ici et poser vos questions. La vidéo FAQ, je ne sais pas exactement quand elle viendra, mais certainement semaine prochaine. J'ai pas du tout encore tourné, mais surtout, n'oubliez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Là, j'ai vu un petit clip, honnêtement, les gothesses. Vous pouvez voir, on a deux paripeurs qui s'affrontent, les deux ont l'hypercharge, etc. Elles louent quand même pas mal de balles, et là, elles vont mettre tous les deux leur ulti en même temps pour charger, bien évidemment. Ouais, elles se sont cross-kill. Franchement, je sais pas comment c'est possible d'avoir ce niveau-là. Quand les deux ont un ulti, forcément, ne jamais sauter, même s'il n'y avait pas l'hypercharge, tu mettais un ulti directement, forcément, tu meurs. Là, c'est une vraie compilation, ouais. Il y en a, ils ont des bugs où ils sont tout en noir, il y en a, ils sont tout en vert. Alors, va savoir pourquoi, je sais pas comment c'est possible. Lui, il prend Jesse, Shelly, je ne sais pas quel brawler, il est forcément en vert. Franchement, Brawlstar, c'est vraiment exceptionnel niveau bug en ce moment. J'espère que tout ça, ça va être réglé. On a déjà eu une maintenance. Je pense pas qu'il y en aura une, en tout cas, prochainement. Bien évidemment, il y en aura une, en tout cas, s'il y a des petits équilibrages, etc. Mais à mon avis, c'est pas prêt de venir. Ce sera plutôt dans quelques semaines, donc il va falloir patienter. C'était une vidéo un peu courte. Moi, vous savez un peu toutes les actus de Brawl Stars. Je vous souhaite surtout une belle rentrée. Petit message surtout, ne mettez personne de côté. N'oubliez pas d'aller dire bonjour à tout le monde. Des messages bêtes, mais on ne sait jamais. Évitez vraiment le harcèlement. Essayez d'inclure tout le monde. Il y a vraiment des petites actions qui peuvent changer la vie de nombreuses personnes. Donc n'oubliez pas d'être gentil avec tout le monde. C'est très important. Et je vous jure, ça vous retombera que positivement sur vous. Bref, prenez soin de vous. Bonne chance pour cette année. Et surtout, bon courage. On se retrouvera pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous avez des idées de vidéos, si vous avez besoin de quelque chose, n'oubliez pas de me les suggérer en commentaire, bien évidemment j'essaierai de les faire. Il y aura une vidéo sur les équipements, sur la méta, etc. Qu'est-ce qu'il faut prendre actuellement. On se dit simplement à la prochaine, et ciao les gars.